d'un peu là, ce ou la voix ou s'y met la lumière. Bon après-midi à tous et bienvenue sur les ondes de Top FM pour l'émission Tempo Lasso en ce lundi. Mervyn Beaton au micro et que aujourd'hui nous pouvons l'eau un cas, une affaire qui tenait le pays en haleine pendant plus d'une année et demie. Mais là, depuis quelque temps, nous trouvons qu'il peut nous suite à ça. Pas pitonne l'enquête. Pourtant, l'enquête judiciaire sur le décès plus que suspect de Subramanian Kisnan et qui finit conclure une thèse de foul play, qui finit conclure que Subramanian Kisnan a été tué. Donc, non, il n'est pas pu arriver après qu'il quand même finit beaucoup de findings dans sa l'enquête judiciaire dans la cour Mokala. Nous finit trouver des histoires contrats qui finit donner pendant la COVID-19, des histoires emergency procurement, des histoires constituency clock, fin gay aussi ban des histoires caméra safe city, nous fin trouver qui ban dimoun supposément Subramanian Kisnan final joine, juste avant qu'il y décédé, ou du moins ban témoin fin dire qu'il y final joine ban certain dimoun pour gay ban faute somme d'argent, mais nous pas trouve non y est pas arrivé à l'eau qui m'a fait quand même divisant à vite. Maintenant il y a deux semaines de cela, les Avengers drama Vladen notamment fin tenir une conférence de presse fin dire comme ça que la police n'est plus envie enquête les affaires qui se n'aiment pas envie faire l'enquête peine en volonté pour faire l'enquête. Donc aujourd'hui c'est ce qui nous vous causait pour dire que l'affaire qui se n'aiment était quelle suite pour l'affaire qui se n'aiment et qui l'obligation la police est non après qui finit l'enquête judiciaire et qui se devait faire par rapport à ban findings de ça l'enquête judiciaire là, ou bien nous pour assister à ce qui nous peut assister au début de cette affaire, c'est-à-dire que tiennent une grossière tentative pour faire un cover, pour tout étouffer et faire passer ça pour un suicide. Donc voilà, nous avons des invités aujourd'hui. D'ailleurs, nous avons invité Lipan Nudin parce qu'au moment que tiennent sa tentative pour faire un cover, pour étouffer ces affaires-là, pour faire passer comment un suicide, nous, ici, nous faire. Nous allons au terrain, nous faisons quelques enquêtes, nous allons causer un bandit monde pour qu'on équipe passer l'eau cette affaire. Nous allons joindre l'épouse de Subramanian Kisnan, c'était un lundi en novembre 2020 que nous faisons ça l'émission là et que nous rappelle que le jour suivant cette émission, le nous ne connaissons pas lien de coïncidence ou pas, mais le bureau du DPP t'a annoncé qui pourrait une enquête judiciaire sur la mort de Subramanian Kisnan. Ça jour-là, l'ancien inspecteur Ranjit Joku et l'avocat Maître Nilkan Delou. Ce sont ces deux personnes qui, de nouveau, nous vont inviter cet après-midi, nous accueillir à ce plateau. Messieurs, bon après-midi, bienvenue. Merci d'être fin accepté nos invitations une fois de plus. Bon après-midi. Bon après-midi, la République. Merci, donc, monsieur, nous rappelle quand nous faisons ça l'émission là en novembre 2020, l'idée claire est nette qu'il y a trop beaucoup de dômes et déjà l'idée paraît que Subramanian Kisnan avait été assassiné. Mais aujourd'hui, après une enquête judiciaire qui fin montrer beaucoup plus d'affaires qui est supposée montrer, par exemple, nous pouvons expecter qu'il nous connaît. Zislo le meurtre en lui-même, il nous trouve les autres affaires qui sont capables de faire des corruption, des donne contrat, qui snen papers, beaucoup les autres ramifications. Jodi, on trouve ça normal qui, comment dire ça, que ça peut paraître dommage, Nilkan Delou. Merci, Mervyn. C'est la troisième émission que nous pouvons faire suite à ça. C'est la première émission, moi, Randy Teko. Après, nous avons une deuxième émission en son décembre. Et puis là, nous pouvons faire une émission encore parce que nous pouvons suivre ça de près. Parce que nous n'avons pas envie d'être pris pour une ridicule. Et une tentation de la part de certains fantomas, ils ont envie de ridiculiser ça, les peuples là. Ils ont envie de faire les peuples croire dans ce qu'ils ont envie que les peuples croient. Donc, aujourd'hui, quand nous pouvons trouver la situation, nous trouvons qu'il y a un désir pour trouver la vérité. Les autorités. Zote même, zote tabou du souffle, zote père, et la man officier qui père pour prendre une décision qui bizarre prend. Et sans menace, zote même, tellement zote installe frayer dans zote, si zote n'a quelque chose pour venir de l'avant, zote pas pour oser venir de l'avant, pas frayer. Sans qu'il dit vous menace, zote, nous rentre dans une situation comme ça là.
Et est-ce qu'il te croit me bouger? Est-ce qu'il te croit me faire quelque chose? Est-ce qu'il te croit me dire? Est-ce qu'il te croit servir dans ça pour aider? Non, l'infini, ça résume qui est en place là, l'infini depuis quelque temps, l'infini instaure un système nord-coréen, un système zimbabwéen, l'infini instaure une fear dans ben 10 moun qui peut contrôler ben institution et me dire bien, c'est ben capon qui peut en sortir ben institution, ben 10 moun qui peut suivre ben l'ordre et ben 10 moun qui pas oser. Assume la responsabilité institutionnelle, constitutionnelle et républicaine. Les malheureux, nous dans une situation pareille, et nous pas quoi les changer, et nous besoin comprendre, le Premier ministre besoin comprend bien, et il y a trois affaires qu'il besoin qu'on fait la distinction. Il besoin qu'on fait la distinction entre lui-même, la personne, le Premier ministre, son Excellence, l'honorable Pravin Kumar Jagnat. Il besoin qu'on fait la distinction en tant qu'il y a une Premier ministre de la République de Maurice, et le Prime Minister's Office aussi, besoin qu'on assume la responsabilité. Il y a trois affaires. Si le Premier ministre lui-même, en tant que la personne, Pravin Kumar Jagnat, son Excellence, n'a pas envie de faire quelque chose, ça c'est son droit pour lui, sa façon d'agir à lui personnellement. Mais en tant que Premier ministre, il n'a pas le droit de pas faire quelque chose. Non, Ça mais d'un continue. premier temps, nous rappelle sa déclaration qui est rapportée par le Mauricien, ou pour rappel, il fait sous l'enquête dans cette affaire et qui lui fait confiance à Yogida Sominaden, par exemple, et qui, après, lui dit qu'il, quand il pose une question, il dit mais quelle enquête tu fais? Quand il répond, il dit comme ça, ben, il tire recueillir ben, certaines informations. Donc, l'icône, le cas, certainement, et quand tant qu'il Premier ministre, c'est la police répond à lui, quand même, il y a une réunion avec le commissaire de police chaque semaine. Est-ce que le Premier ministre est capable de faire les choses bouger? En tout cas, nous connaissons que Rama Valaiden, tu dis qu'ils ont sollicité l'intervention par une Jagnat et qu'ils ont pas écrit à l'INB. Je te dis ça 2 semaines de cela. Oui, il y a des affaires qu'on est quand on est un Premier ministre, il y a quelque chose qui ou dire pas ou même, il y a quelque chose qui va dire ou dire. Là où choisirait là. Soit si dit, moi, un Premier ministre, mon tour, mon PS, mon chief exécutif, il me dit moi quelque chose, moi, je décide. Est-ce qu'il me peut écouter lui, dire moi parce qu'il me faisait satisfaire certaines opinions, ou bien moi, assume la responsabilité, moi, en tant qu'un Premier ministre, je viens de l'avant, je viens de dire, bon, la situation est là. Si la situation est comme ça, il nous connaît lui comme ça, mais moi, invite le Premier ministre, lui vient de l'avant, c'est-à-dire éclaircir les peuples, bon. Suite à ce qui vient d'arriver, moi, je donne certaines informations, je vais dire à la République, à l'information qui me l'a quittée, Mais qui ne fait pas souvent, faire. la perception est que, quand, par exemple, quand un commissaire de police n'est pas intérim, lit le contrat, il est obligé de suivre l'ordre des seigneurs du jour, soit gouvernement du jour, ceux qui sont au pouvoir actuellement. Mais là, nous fait trouver que, quand même, le commissaire de police a été titularisé, si nous suivons sa perception-là. Vu qu'il est titulaire du poste maintenant et qu'il n'a pas de droit non y à quiconque concernant sur l'avenir, mais la police peut tout à fait travailler en toute indépendance là, non? Vous connaissez, nous finissons tout le temps dire ben, issues, law separation of powers. Tout le temps, nous finissons cause separation of powers. Nous clear law là, la Queen donne une distinction très précise qu'appelle separation of powers. Mais malheureusement, dans le développement démocratique, dans le développement philosophie, développement bureaucratique, développement constitutionnel, nous trouvons qu'il existe au papier. Separation of powers existe au papier. Et donc, il y a un certain moment où il y a un overlapping qui existait. Jamais on peut trouver pareil comment il déroulait dans l'Angleterre. Et la police anglaise les a fait aller avec Tony Blair, les a fait aller avec Boris Johnson. Si pas pour un nouveau mindset, jamais vous trouvez qui. Moi, pensez, moi, comme ici, LM, si n'importe qui s'en est, la position, là, pas la personne. Quand les boutons disent qu'ils vous avez le Premier ministre pour poser certaines questions, ça n'a rien pour finir, il y a un goulab de la dans ce poste, il vous paye. Il vous paye, pas pour capable. Qui fait? Parce que lui-même n'est pas pour trop chier que ça fait séparation de power. Ça, c'est une nomination. Nomination CFZIZ, nomination commissaire de police, nomination directeur LICAC, nomination institutionnelle, il n'arrive pas à arrêter ça. Si vous continuez comme ça, nous vous gagnez seul fantomas qui prend un tas de fils sur les doigts, les vous jouez ça par une poupée russe ou bien une poupée allergène, il CFZIZ, vous fait pas lui. aller. Non, malheureusement, ce système-là est comme ça. On va pas dire qu'il Ouais. est dans le fil, mais il n'est pas supposé et n'a On the advice of the Prime Minister. Sa histoire, nomination on the advice of Prime Minister, il n'arrive rien pour arrêter ça parce que nous, des années républiques, depuis un bon bout de temps, nous, des années un système constitutionnel qui est une base très très ferme et aussi la perception de bias, il n'arrive rien pour arrêter. Parce que dans toute nomination, que soit la dame méritée ou bien pas méritée, que ce soit monsieur là, mérité ou pas mérité, et dans un certain moment, nous dire comme ça,
and then perception de bias. Et que si on a ce système de nomination, on the advice of the Prime Minister, tout système bias. Nous procédons à une courte pause. Là, là nous passons la parole à l'ancien inspecteur Andy Djoku. Tempola, sur ou la voix, ou s'y met la lumière. Nous déroutons dans l'émission Tempola, sur nous pécouse l'affaire Kisnen. Les Avengers, par le biais de Maître Marvel Aiden la semaine dernière, je veux dire, nous persistons à un nouveau cover, je veux dire, qui fait pas faire l'enquête, je veux dire, peine une volonté pour faire l'enquête après qu'il fin énorme rapport. De la magistrate Vidya Mungro Jagannath qui finit remettre donc aux instances concernées qui fait la police selon eux pas peut faire l'enquête pas peut appeler le bandit moun qui besoin appeler ce qui perd la direction qui besoin ou bien nous pour assister à ban les autres qualités manigances. Inspecteur Andy Djoku, est-ce qu'il trouve sa situation là normale qui après presque un an qui s'en enquête judiciaire la fin siégée, fin en défilé de ban témoins, fin en plusieurs preuves, évidences qui fin remettre devant ça l'instance là, et qui a sté nous arrivé à une stage que fin fini gagne rapport là, il fini dire qu'il besoin faire, et que Dimoun a une perception qu'il n'en y a pas pu faire au niveau de la police. Et bonsoir Mervyn, bonsoir les auditeurs de Top FM, et justement, moi tu peux commenter l'eau cette affaire là. Bien souligner qui fin un an, presque un an, qui ça l'enquête judiciaire là fin déroulé et que autant qu'il me rappelle c'est pas tellement longtemps qui la cour la magistrate in fait son rapport in se met ça au bureau du directeur du fossé public tel qu'il a bien été dans une circonstance pareille. Laisse-moi faire vous et connais une affaire qui me connaît pas l'expérience, c'est qui quand une commission pas une commission une enquête judiciaire une fait pendant un an et a plusieurs témoins qui viennent déposer devant l'enquête là et a plusieurs du monde viennent chacun vient donne sa version des faits et tel qu'ils ont connu et la magistrate lui prend note de ça. Nous trouvons qui pendant qu'il peut faire sa enquête judiciaire là finalement aussi ban à côté ban d'affaires qui est à côté comme on même mentionné tout à l'heure là ban d'affaires de corruption d'abus de pouvoir abus d'autorité ou bien ban magouille qui finit déroulé dans ban d'affaires de contrat tout cela est sorti. Mais quand il avait sa conclusion là il pas vienne sa rapport là pas vienne avec la police en premier lieu il vient avec le directeur de poursuite publique et non il n'a pas centaines de pages de ban rapport là qui besoin étudier. Moi, je ne peux pas l'expérience, je connais, je fais un affidavit dans un cas,
similaire, qui tient à presque 2500 pages d'une enquête préliminaire, hein, dans la, surtout dans l'affaire de Mopekozaou, l'affaire MCB. Ça, tu prends presque 9 mois avant qu'il ose cette affaire-là, qu'on finit de trouver ben finding sa commission et sa enquête préliminaire là, il me prend presque 9 mois avant le ça devant les assises. Moi-même, je fais un compte affidavit parce que c'est un affidavit qui, soi-disant, peut faire un abus de procédure, peut faire un abus, et la police peut faire abus, ou bien le bureau du DPP peut faire abus, qui peut traîner ces affaires-là pendant longtemps. Donc, je m'explique là. Je peux faire un parallèle entre ça avec l'affaire Kisnem. Sauf que dans l'affaire Kisnem, dès le début, nous trouvons, même au niveau de la police, finalement, qu'on va. C'est ça la différence quand même là inspecteur Andy Djoko. Moi pas habilité pour dire si y en a cover-up. Non, commencement c'est non, parce que Madame Kisnen fin dire que la police fin dire que ce monsieur fin suicide lui. Ouais, c'est un policier, il a dit ça, moi tout à fait. Là, moi pas, pas mettre en doute. C'est non, l'aspect Djangui, même si vient faire une conférence de presse, tu dis un homicide ça. Moi pas mettre en doute ce qu'un policier est capable de dire à Mme Kisnen. Mais toujours est-il qu'il finit une enquête. Et l'enquête aussi, ça l'enquête là, s'il prouvait qu'il y a un foul play. Mm-hmm. À part que M. Djangui confirmait qu'il y a un foul play. Oui. Mais si il y a un foul play, la magistrate qui dirige à l'enquête là, il fait ce bonne recommandation au DPP, moi, je pense que le bureau du DPP, sans pour autant venir justifier la lenteur ou bien action ou non-action de qui que ce soit, je pense qu'il peut prendre un petit guide le temps, je ne pas pour me penser, parce qu'il y a une affaire qui est dans l'actualité, je ne pas pour prendre ça pour mettre dans un tiroir pour fermer par là, il peut prendre le temps qu'il a besoin de prendre, et qui, tôt ou tard, pour bien venir avec une action qu'il prend suite à une recommandation du magistrat de la cour. Il y a une affaire, prend le temps, mais est-ce qu'il peut suivre sa bonne recommandation qui est dans sa. Dans sa rapport là, parce que c'est la bonne information qui peut circuler dans le monde bon, et non les moines, certains même ministres au pouvoir qui se tenaient et cité dans sa rapport là que vous avez fait l'enquête là aux autres. Donc, quand nous avons sa notion de police indépendante là, est-ce que vous pensez ça l'explication qui Randy Djoko a donnée là nous capable quand même. Nous espérons qu'il est capable comme ça, qu'il peut prendre le temps après qu'il peut faire travail là comme bizarre. Mais quand même, c'est une affaire qui est hautement quand même politique. Il concerne un agent qui fait un travail pour le MSM aux dernières élections, qui nous trouvait dans ce boîte mail, qui fait tout cas des histoires au ban emergency procurement qui fait donner pendant la COVID. Est-ce qu'il y a des affaires comme ça, quand il est tardé, il n'a pas donné une perception qui quand même pas permis de faire l'enquête ni le grand parce qu'il concerne justement Bandimoun qui est au pouvoir en ce moment et que je le proche qui a un contrat qui a bizarre démissionné qui fait tout cal des compagnies qui jamais fait ce travail là. Connais dans l'enquête préliminaire, une des plus grandes enquêtes préliminaires tiennant c'était l'affaire Gaëtan Duval à Flac. Après un bon bout de temps que nous gagnons un gros l'enquête préliminaire qui finit de dérouler et il finit l'enquête préliminaire ordinaire. Nous avons réalisé un témoignage qui nous finit venu, crédibilité de certains témoins, difficulté qui ban avocat dans DPP et avocat qui représente la famille ici gagné pour extraire ban évidence, la façon que certaines policiers conduisent, la façon que certains témoins conduisent. Madame Lamine prend tout sur le temps pour lui donner sa ruling là, une grande ruling là comme pas une grande ruling là public, mais une avoué sur findings bureau DPP et moi penser moi bureau DPP very cautious. Persiser, peut dépicter, peut guetter avant qu'il donne ma directive qu'il vous a donnée. Ce que nous vous a dit, nous vous êtes contents qu'un récit arrive à cette stase-là. Quand il est parti pour la Mervin, si vous partez faire l'enquête, nous partons venir nos émissions, partons nos camarades dans l'Express d'Assoudan en Arène, nous partons à quatre, nous vous a dit, nous quatre qui commencent à déclencher nos affaires, pour aujourd'hui, il est là quand il est arrivé. Nous vous êtes fiers de ça. Nous pas une paix, quand on t'aime, nous connaît qui a été pression, nous venons exercer, nous pas une paix. Nous venons nous dire. Nous venons au bout. Non, c'est à le bout là. Là, oui, il n'est pas au bout. Ça, bureau directeur pour ce public là, il n'est pas abandonné. Il n'est pas au bout.
Et moi, penser, il peut prendre sur le temps, il peut être très cautious, parce qu'à un certain moment, représentant bureau DPP, il dit dans la cour, I'm very embarrassed. Mais il n'est pas capable d'être un funding qui est taclé et qui a une orientation qui fait à la va-vite. Parce que get quand nous get au niveau de MCIT, nous trouve ça coupé appel Koumada sou Minaden. Mais puis nous dis Koumada sou Minaden de ça case là. Et en côté, c'est grâce à Koumada sou Minaden qui nous connaît beaucoup d'affaires là-dedans parce que avant Kisnen, il était en contact avec Kisnen. Mais nous trouve ça coupé convoque lui-même, puis convoque lui-même pour aller. Pendant les jeux de Dimoun qui appellent sur Minaden, par exemple, qui est déjà convoqué. Peut-être qu'ils ont convoqué les autres Dimoun aussi, mais c'est moi la presse peut être connue quand il y a peine 10 sur Minaden. Ouais. Il peut être dit dans la directive. Là, parce que vous connaissez, il y a tout un feuilleton là. Marie mort. Un feuilleton avant que tu aies notre feuilleton tous les samedis, monsieur de Montserrat, tu vois là. Puis vous avez fait un management public opinion. Quand le premier ministre vient dire qu'on fait une enquête sur la zone, dit, vous avez un mot sur les doigts, Zodi. Ouais. Il dit, qui s'en a qui n'advise mal des affaires comme ça? Qui s'en a fait? Moi, je fais une enquête, je connais qui est là-dedans. C'est pas connu ici qui gagne une advise, lui. Non. Lui, si tu fais son enquête, tu connais, tu peux venir divant, divant. Ou penser, parce qu'il n'y a pas de chatan qui est dans la presse, par exemple, dans cet événement-là, que tu fais un rapport de ça. Il n'y a pas de chatan qui est dans le monde de bonne volonté, qui est dans le courage pour venir dans la bataille-là, frontale aux autres. Ça que les pas chatan. Dit quoi qu'on m'a dit hein, moi l'ai venir, moi l'ai jeune affaire comme Kim Jong Un après tourner cachette pendant mon missile derrière moi. Dit quoi ça? Les pas réaliser qui ça parle ça niveau là. Les pas réaliser après nos émissions qui nous tuer qui prendra des ordres à ça émission là, mais on devait pas citer du judicial inquiry. Lendemain. Sur lendemain même, les pas chatan pour ça. Est-ce que vous croyez tu pour quoi qu'il premier ministre ça pays là, mais ça pour vous faire dans tel modèle mais quand ils sont attendus qu'il y ait DPP, imaginez ça, DPP là, qui s'arrive là avant. DPP en personne, dans aucune juridiction dans le monde, à part Mugabe et Kim Jong-un, et qu'il y a des malins qui ont réussi à tailler le système, Irak. À quoi vous faites référence? Mais tu as un arrêt de DPP. Oh, parce que non, comment tu appelles ça? Prosecution Commission? Oui. Qui est arrivé aujourd'hui? Dans l'affaire Saint-Anne. C'est trop beaucoup. Écoutez, monsieur, quoi on a fait? Ben, tyran. Vous commencez une affaire, vous êtes. Ou restez tranquille. Vous commencez au palto, vous commencez au chemise, vous commencez au pantalon, vous commencez au chaussette, c'est ce qu'il y a. Vous commencez tout le haut. Mais si vous résistez ou sauvez, vous commencez à faire bruit ou vivre violent. Vous avez abandonné. Vous dites qu'il y a besoin de mots sur les doigts, mais vous avez dit encore, il y a besoin de mots sur les doigts pour lui dire qu'il vient de faire l'enquête et il connaît qui est là parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. L'enquête, le tender. L'enquête, le Kisland Papers. L'enquête, le Bangladeshi. C'est pas moi qui viens vendre ça, pas nous qui viens vendre ça. Nous ne finissons pas trouver, qui ne finissons arriver dans le judicial inquiry, nous ne finissons pas tout. Mais qui nous veut faire là? Ou bien dire comme Pravin Jagnat, ou bien dire comme Premier ministre, ou bien dire comme un représentant dans le Prime Minister's Office, c'est notre institution là. Ou capable, ou comme Pravin Jagnat, ou pas content de faire des affaires comme ça. Mais en tant que Premier ministre, vous obligez de faire ça. La vérité n'est pas qu'à sortir. Ou pas vous capable? Vous capable, moi, comme la personne, moi, je connais le malin, hein, que ça, et en l'homme, en moi, mais ça arrivé ça, pas déjà pas arrivé. On tient les mots arrivé. He's a good friend, mais dans quoi? Nous pour résoudre ça problème, nous pour compenser comme ça, compenser. Mais dans quoi? Mais en tant que premier ministre, vous capable faire ça? Comme on connaît une institution, comme on connaît un pays démocratique, quand on connaît qu'une institution vous a opéré. Ou quoi si un héros d'agnat, si premier ministre, c'est que tout sur la force, si tu voulais ça arriver là? Bah, ça n'est pas une fin de paix, vous trappez comme un petit lichat et qu'elle, il met dans la prison. Pas de paix, là! Faut donner la courage, frère, par être bâché dans qu'est-ce qui t'a arrêté. Pas de paix, on est de son manière qui t'a arrêté, mais en cause d'enfant, on rappelle qu'on t'a arrêté. Mais si, en héros de premier ministre, là, ou quoi, qui se donne sur qu'est-ce que tu veux dans le modèle, là, premier ministre, c'est sur le power, avec sur les choses, tout. Si Béranzé, tu premier ministre, là, ça va catégorie massa, tu peux dérouler. Si Naminoam Blanc, tu premier ministre, là, ça catégorie massa, tu peux dérouler. Si Sersi ou Sagan Ramoulan, tu premier ministre, ou bien Gaëtan Duval même. Ça, tu voulais rouler là. Jamais, il n'y a aucun du monde qui n'assume pas ce premier ministre. Qui tu parles là, on a fait comme ça, dérouler ce cas aujourd'hui. Et mon tout, confrère, tout. Vous pensez. Oui, diamant. Au confrère, Radio Plus, il fait de l'enquête. Et comment est-ce que l'enquête qu'il fait là? Mon tout, on dit Safe City qui tu fais recording, qui tu a un rôle majeur et qui est important dans l'aspect criminel, l'enquête judiciaire. Pas caméra là qui disparaît. Colonne sur la terre, tu disparaît. Mais ça qui était ça? Mais ton premier ministre n'a pas contre ça ce qu'il a dit.
assis tranquille même. Mais il est grave. Qui confiance il a? Il bien comprend l'index de haut. Bon, pas bien qu'il dit moi. Bon, bien qu'il dit l'eau sur silence. Mm-hmm. Il est trop silencieux. Bon, pas bien dire qu'il y a du monde qui est connecté, ou ça qui n'est pas connecté, qui l'y connaît. Non, mais je peux dire où je peux des institutions faire ce travail. Eh, frère. Ou agent qui ne la guère, qui ne débatte, la famille qui ne débatte pour vous, ou peut-être une attention particulière pour ça. Mais si ça du monde qui nous dit pour vous, qui nous fait tout pour vous, et qui nous avance, pareil dans ces conceptions, côté nation, là, mais nous finissons dans l'autre terrain, nous guettons, nous connaissons du monde, sur son relation avec le Premier ministre. Mais ça, un bout les doigts minimi là, si pas levé, pour assister à la famille là. On guette sa campagne qui nous finit dérouler contre sa madame là, après, qui madame là, nous de la vérité. On guette sa campagne là. Dis-moi quand on voit qui a rien à contre nous. Mais qui? Comme ça qui vous déroule? Je vous dis quand Poutine a demandé un forum, avant quand tu parles de forum international, il passe un empoisonnement alors, sur la tête, tu dis que tu veux dire comme ça que tu es, et tu viens empoisonner un monde dans l'Angleterre. Quand MBS, l'Arabie Saoudite, a demandé un forum international, il peut avoir un cachot qui se suspensionne alors, sur la tête. Mais ça n'a pas si pour une heure. Quand tu peux aller, on va vous dire Kislani. Vous êtes des douaniers de là. Les bizarres viennent dire parce que nous, encore, on a doute, nous. Beaucoup de monde en a doute. Tout le monde en a doute, le moment de Kislani. Bon, c'est le devoir. Nous, pas connaît qui ça a derrière ça. Pas connaît qui ça a derrière ça, mais. Par exemple, un ancien ministre de MSM, un ancien membre de ban privé, membre de MSM, Nande Bouda, l'India qui est dans le dialamo autour du parti, oui. Et pour l'India qui c'est un assassinat politique. Donc, l'India de sa partie là, il peut dire ça. Bon, je vais faire une bonne mention de ça, mais je pense que ça là. Bon, je vais saluer ce courage pour l'India, c'est une affaire comme ça. Si Nande Bouda, on est rebelle, si Vini, l'India nous a fait comme ça, je vais saluer ce courage. Mais est-ce qu'il ne réfutait? Pas de réfuter jusqu'à aujourd'hui. Nous devons faire une mission là. Ou quoi, on a pour écouter nous, ou quoi, je vous dis, hey, ça les péporis là. Ils vous écoutent ça, après des trois semaines, ils vous finissent oublier. Ça cool. Les péporis là. Ils connaissent ce bien-être, ils ne pas connaissent les autres affaires, ils m'aident. Ça les péporis là, si c'est dans la position d'Ukraine, donc tout, tu vous finis dévider, tu vous finis aller. Parce que vous faites la résistance. Secrétaire général du parti, c'est comme dire lui-même, comment dire, la boîte de Pandore du parti. Mm-hmm. Il compte toutes les affaires d'un parti. Ouais. Si lui-même lui peut dire une affaire comme ça, mais au moins si lui peut dire false news, il peut spread false news, faire une enquête qu'on dit. Ouais. Mais c'est jusqu'à l'air comment Nicolas peut dire pas une refuse jamais. C'est qu'il dit. Non. Mm-hmm. Si nous on a Marvin pour faire une émission à la banque française, faire une émission banque géographie, découverte tout ça là, MI6 tout ça là, c'est. Ouais, mais style comme ça. Bah, on a pu dire, mais why is this prime minister silent? Ouais. Il est trop silencieux pour un premier ministre dans une affaire comme ça. Mm-hmm. Il n'est pas possible. Mm-hmm. Et le ministère de l'Intérieur tombe sous son responsabilité. Le ministère de Défense tombe sous son responsabilité. Mais capable de faire attention à ce qu'il dit, parce que, comme on connaît, dans ses affaires, l'affaire Kisnen, donc Didier là, finit notamment Kisnen Papers. Aujourd'hui, à cause de Kisnen Papers, le Premier ministre lui-même, il peut faire face à un potentiel private prosecution qu'il peut faire tout pour tout à travers un case qu'il a fait mettre la Cour suprême pour qu'il paye dans sa private prosecution là contre lui. Parce qu'il nous connaît, pareil comme Yogida Swaminathan, si private prosecution a de l'avant, il peut viser des bouts pendant un certain temps dans la boxe des accusés. Bon, autant de point qui nous pourrait prendre en deuxième partie de l'émission, mais aussi annoncer que nous pourrions peut-être dès qu'il nous reprend l'antenne là, Rama Valaiden avec nous le téléphone, parce qu'il lui-même il y a des semaines de cela dans une conférence de presse l'Epédia, qui la police pas envie faire l'enquête sur cette affaire, nous pose lui quelques questions et pour demander aussi qui fait l'Epédeman à DPP de remettre tous les documents et évidences dans le cadre de cette affaire à l'équipe Avengers, parce qu'ils ont peut-être mené l'enquête en parallèle. À quoi, même si je te gagne ce document-là, à quoi mènera cette enquête? Nous posons cette question-là à Rama Valaiden. Sera juste après le top horaire. Nous retrouvons dans environ une minute. Tempola, ce ou la voix, ou si Mélanie. À ce là l'autre hiver est top, l'essayer. De nous garantir jackpot payé chaque vendredi. Soit avec 7 chiffres et qu'un bon couleur,
Et si Pena, jackpot partagé avec Banzoué qui finit gagne 7 bons numéros. Si là aussi Pena ou Ken gagne en même, jackpot partagé avec Banzoué qui finit gagne 6 bons numéros et Ken bon couleur. Si Pena gagne en même, jackpot partagé avec Ban qui finit gagne 6 bons numéros. Via les mêmes comme ça jusqu'à Ena N gagnant. L'autre hiver, garantie jackpot payé chaque vendredi. Qui connaît, capable ou tous à vendredi là? Pour plus de détails, check code détaillant l'autothèque ou l'on nous passe Facebook ou bien l'on nous site internet. L'autre hiver, mets-toi essayé. La roue la tourne, même bâton dans la roue. Ou avec nous, nous avec vous, nous pas pour piler. La main dans la main, nous pas pour laisser liberté menacée. Sans frayer ni faveur, nous amène où la vérité. La roue la tourne, même bâton dans la roue. Ou avec nous, nous avec vous, nous pas pour piler. La main dans la main, nous pas pour laisser liberté menacée. Sans frayer ni faveur, nous amène où la vérité. FM, top, 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 FM. Ou la voix, ou si Mélanie. C'est avec plaisir que nous retrouvons pour la deuxième partie de l'émission Tempo La Show ce lundi. Et nous pécose l'affaire Kisnen qui fait une nouvelle fois une perception qui n'en y est pas pébousé au niveau de la police qui l'enquête pas faire après le rapport de les travaux de l'enquête judiciaire sur la mort suspecte de Supramanian Kisnen. Donc c'est Lifin nous sia maintenant tenant un foul play dans cette affaire. Donc Supramanian Kisnen a été assassiné. Nous non, le porte-parole des Avengers en ligne avec nous, Maître Rama Valaiden. Maître Valaiden, bonsoir, bienvenue sur TPFM. Bonsoir Mabine, bonsoir à tous auditrices, auditeurs et tout la diaspora. Donc Maître Valaiden, d'autres peuvent même nous faire d'innombrables émissions sur toute l'affaire Kisnen et que ça fin fait quand même permettre amène beaucoup d'éclaircissements autour de cette affaire qui est non ben, une ramification extrêmement grave, sérieuse, tournant autour du pouvoir même. Donc des semaines de cela, Rama Valaiden nous fait une conférence de presse sur toute l'affaire Kisnen où il y a une volonté pour faire l'enquête l'ambo Supramanian Kisnen. Pourquoi cette perception une nouvelle fois? Non, c'est parce que quand on finit bien rapport à l'extrait, il y a le bureau des PP. Et quand il y a le bureau des PP, ensuite, il y a la police. Mais la police, il finit classe l'affaire. Bon, redis-le. La police, il finit classe l'affaire. Comment on garde ça avec certitude? C'est parce qu'il y a un informateur au niveau central CIT, au niveau MCIT. Il dit, moi, il n'y a aucune enquête qui peut faire. Il n'y a aucune enquête avec l'équipe qui peut faire. Je jouer fire extinguisher et pompier un peu à gauche et à droite quand on a un autre case pour venir de crime. Mais il n'y a aucune unité, que ce soit l'affaire Kisnen, que ce soit l'affaire Monia, que ce soit l'affaire Kanakia, et je retourne l'affaire Kisnen parce qu'il finit, je connais bien qu'ils ont dit. Et maintenant, quand il finit écouter dans la cour Moka, il est clair et net ce qu'il nous veut dire. Il y a une case, pas plus, il y a un meurtre. Mais où tu peux dire qu'il peut envoyer une lettre au Premier ministre au nom des Avengers? Non, Premier ministre, pas encore. Ah, oui, le Premier ministre, c'est pas une lettre, c'est une liste de questions. Hein, oui. Qui nous pourra en public dans nos prochaines conférences de presse. Est-ce que vous êtes capable de dire à nous quel genre de questions au mais moins? Vous connaissez dans sa case-là du monde qui ne puis l'enquête qui se fait.
du monde qui nous refait à tout du monde d'être ailleurs. C'est le Premier ministre. Qui fait audience ça? Ben, parce que le Premier ministre, il vient de faire une enquête et il me dit qu'ils sont mis la dedans, puis on n'a rien à faire. Non, Lydia, il fait confiance. Il fait confiance. Oui, c'est qu'il t'y rapporté dans la presse. Ouais. Il vient de faire une enquête aussi, il n'est pas oublié. Oui, oui. Le Premier ministre, il vient de faire une enquête, moi, je dépose le document, la pardon, copie. Et de ben la Gazette qui dit qu'il finit faire l'enquête pardon dans la cour de Moka, me dit moi qui pour m'écoute Premier ministre parce qu'il fait l'enquête très smuggleté car il y en a ben l'équipe qui nous fait l'enquête et ça ben là il trouve une conclusion. Oh, le magistrat dit après nous arrêter pas me récupérer à même Premier ministre. Mais moi, il y a pourtant nous pose question moi en tant qu'Avengers et toute l'équipe. Pose une question au Premier ministre, c'est une question que tout le monde capable d'en question là, pose au Premier ministre pour lui répondre. Tant le Premier ministre pas répondre sur une question là, une question simple. Quand on connaît que Kistan disparaît? Un. Kistana Indiaou que Kistan disparaît? Deux. Quand on connaît Kistan disparaît? Est-ce qu'il est fini l'enquête en tant qu'il y a une séfaçant ou soit on dormit là? Quand on connaît quand il meurt? Qui s'en a fini diaou? L'occup téléphone, sa ministre Kotula, il téléphone ou, il diaou qui s'en a fini mort. Comment se fait-il que sa ministre en question, lui panne donne sa téléphone là, au niveau la MCIT? Ou soit, comment il fait-il que dans la liste, si MCIT est là, sa numéro là pas paraître et au numéro pas paraître, ça l'est fini diaou là? Voilà, les mêmes questions, le Premier ministre. Et qui pour bien d'une réponse. Et nous, Béro de Ferli, d'une dans le cadre d'indépendance, et que tout le monde dans la gazette peut trouver là-dedans. Mais il y a beaucoup de réponses dans nos mêmes questions. Moi, mais, je suis loin. Il n'y a aucune obligation de la part du Premier ministre pour répondre. Nous. Et il paraît qu'il y a très peu de chances pour que ça aboutisse. Non, il n'est pas pour répondre, 100% il va pour répondre. Mais c'est moi, dans nos mêmes questions, il faut pousser pour répondre vis-à-vis de sa conscience et Mauricien pousser. Vous connaissez dans un combat pareil, où il y a beaucoup d'émissions par le Pakistan. Oui. Si pas continue de garder pression, si pas montrer une ingéniosité légale, procédurale, et pas continue de faire ben nouveau quelque chose pour faire du monde continue, comprendre qu'il déroulait, et un système mafia à l'œuvre, et un ben criminel encore commencé parmi nous, les amis, pour trouver. Mais tandis qu'il garde la pression, garde la pression, arrive un moment pour capable trouve la vérité parce qu'il nous sied les meurs. Moi, donne-nous une réponse. En 1982, dans Maurice, je consacrais ça bien. Et moi, je suis étudiant, mais je suis involé, plus du monde qui consacrait ça, connu, je suis involé. Et dans la mort, Silvio Santo. Qui fait qu'il y a un hold-up CD. Dans hold-up CD, il finit, parce que l'auto qui fait hold-up CD, qui est une cité dans Plaisance, Stanley, aux îles, et Benjamin, il met dans sa tête que Silvio Santu. Ça qui est là, il allait amène la mort Silvio Santu et Patricia Mator. C'est bien, bien après. Tout le monde croit que c'est fini clair parce qu'ils ont élevé à ce mot. C'est bien après. Il ne gagne pas à Zor. Arrête un Jimoun Bobassin. L'homme motocyclette et sa Jimoun a arrêté. Il vient confesse. Il fait la confession, le crime là. Il exculpait Silvio Santu et que les autres. La police du corps. Jamais à aucun moment. La police n'y m'en excuse la famille Santu parce qu'il remplit Rodri Galdeyali jusqu'à commis suicide dans plaisance, dans une circonstance là aussi douteuse. Vous pouvez dire où dans ce cas-là, c'est un cas qui ne peut pas faire tout seul, ni faire à deux, ni faire au moins à quatre. Comment dire, avec ce qui peut être continu dans l'argent sciemment. Donc, ni pour bizarre si nous avons pression. Et si vous comprenez le sens de mon régime, mais ce qui ne m'a pas trouvé depuis l'air, ben, une partie politique et qui vient de l'avant, qui dit que l'enquête-là pourrait ouvrir comme les autres enquêtes. Un politicien de MSM qui n'est plus de MSM, qui est ministre MSM, qui est maintenant dans l'opposition, qui même crée une partie politique, c'est Nando Poda, lui vient dire comme ça qu'il le dit à la mort, retour du MSM et que c'était un assassinat politique. Lola, qui vous pensez d'une telle déclaration, Rama Vlaiden? Mavin, pas juste moi, il y a moi, et il y a tout un camarade Avengers, et il y a un camarade Roshi Badin, nous tous, il y a ça dialogue-là. Nous tous, il y a peut-être en utilisation
différents mots, différentes façons de faire dire. Et d'ailleurs, là, nous faisons nos meetings de janvier l'année dernière, faire l'appel à Bonacello, nos salariés là. Et là, nous faisons l'appel à Ivan Colanda avec nous, qui n'est pas insensibilisé à la mort, mais dans sa direction même. Tout ça, ben, du monde, après, pour répondre, si, pas dans le court terme, pour bien répondre vis-à-vis de conscience, pour si, de conscience, pour faire ce que je pour bien répondre vis-à-vis de l'électorat, mais quand il y a l'argent à gogo, capable d'aspirer l'électorat, mais à la fin, tôt ou tard, je pour bien répondre dans sa culture. Tôt ou tard, de conscience, c'est une forme de réponse, mais moi aussi, hein, pour bien arriver quelque chose, parce qu'il me croit qu'il a bien été vaincu. Mais Van Hayden, toujours dans sa contexte même, et dans l'affaire de Constituency Clock aussi, pourtant dans cette affaire, il paraît qu'il y en a tout pour qu'il nous capable d'un aboutissement pour connaître qui s'en a qui coupable, qui s'en a qui pas coupable, si tu es en paiement ou pas tu es en paiement. Il est facilement vérifiable et dans le papier au niveau de MRE, NPF, tout ça là. Tu es en la private prosecution et non une plainte au niveau de l'ICAC, donc normalement, il y a une enquête. Donc, Mme Kisnen peut dire qu'ils ont mis au guide à son minaden fin pays li, sa casse constituency clock là. Pas exactement l'enquête l'Olamo Kisnen, mais il y a une enquête qui très importante vu qu'il y concerne un ministre de la République de Maurice. Enfin, un ex-ministre parce qu'il n'est plus ministre. Mais qui fait sur cette affaire aussi, nous ne pouvons pas trouver qu'il nous prête à aucun aboutissement, qu'il y a un sens ou un autre. Paraît qu'il qu'on va dire nous dans un stand-by, qu'on va dire il met de frein à bras, nous pas trop connaître pour arriver. Pas frein à bras, ça, une finit, il y a frein, il y a tout, il prend l'auto, il brise, il jette dans le carreau. Quand après ça, il prend le pompier, il vient, il fait la tout bout. Et quand on regarde 24 questions, il y a beaucoup de colère. Moi, je donne l'autre case, Mervyn, important. Et important, là, il y a et une mamzelle, il me donne un case contre un monsieur qui est très très fort, qui est dans le pouvoir. Très très fort. Qui, moi, m'a dénoncé semaine après semaine. Elle a juste dit qu'on peut dénoncer. Et d'un côté, Rochi, l'autre côté, moi. Et nous pouvons dénoncer à nous, avec tout ce qui a été complot contre nous. Et madame, il me dit carrément, il me donne l'enquête, il me donne une preuve, il me donne un SMS, il me donne tout, il me sujette à un sexual assault. Deuxièmement, une cause pour moi, les courses, pour moi, ben, servir, pour moi, servir, pour moi, traiter. Troisième, une cause aux élections. Cinq causes, pour pas qu'à dire, dans Kisnen, nous vous dire Kisnen, il dit, mais Kisnen n'est plus là. Dans ce cas-là, l'enquête, là, il donne devant moi-même. Devant présence à nous. Nous donnons l'enquête. Madame, là, il m'a causé publiquement. Depuis aujourd'hui, on connaît pas même prendre l'enquête avec Michier et Michier Elissim. Et puis pire là, là demain, je m'appelle moi, comment dire, quand moi qui m'en accusé tout là, demain. Donc, oh, demain, vous appelez au Central CID? CID à 10h. Et à MCID. Et ça a été que ça qui fait, parce qu'arrive un moment donné, la famille, nous gagne l'information, puis madame là peut être maltraitée, peut être brutalisée, peut être police brutalisée. Et nous avons une lettre tout de suite. Vous connaissez dans ce même cas de police brutalité, ou pas capable de dire des mêmes mots pour écrire la lettre, mots pour écrire la lettre trois, après un jour, après deux jours, soit quoi que ce soit. On n'a qu'à gagner les temps mots. Donc, nous faire, nous système, tous mes camarades qui sont Avengers, qui nous suivent à l'école, ce qu'ils m'appellent l'école de militants des droits de la personne humaine, Human Rights, nous avons besoin d'Asie vite. Et dans Asie vite, donc, nous avons envoyé une lettre à commissaire de police. Bon, pas dans le bureau, et bon, pas dans le bureau de mon gain renseignement là, bon, quitter une lettre, bon, faire un avocat, c'est-à-dire mon propre petit-fils, à Fisa Goulami, signe ça, on my behalf. Il est relié avec moi, il signe on my behalf, elle a fait coutume, carré-carré, entre avocats, nous signe pour les autres fois, même pour quand avoir une magistrat, même si avoir une lettre, elle s'est dit, si le tout n'a pas là, je suis capable de signer, et ça compte ce word-là, et n'a belle valeur. Oh, comment vous connaissez, mais le quotidien, ce qu'on appelle spotlight nécessaire, parce que ça joue là, tu arrêtes Rossi Madin, ça joue là aussi, le chapel à Fisa Goulami pour prendre l'enquête avec. Mais là, parce qu'il me dit, elle est la sortie de moi, là, je pourrais faire ce qu'appelle, et demain, moi, je donne l'enquête, et on a
connu. Jamais on ne trouve cette qualité-là, pour côté des amis du monde. Donc, mais nous ne pouvons pas arrêter. Bon, comme vous dites, nous, toute petite Avengers, une réorganisée, une prend un petit peu de temps en janvier, une, comment tout le monde connaît, mon même mon parti politique avec Covid et autres, c'est seulement il y a 12 jours qui m'en reprend. Donc, nous pouvons réorganiser, nous pouvons restructurer, et nous ne pouvons pas arrêter, mes camarades, pas arrêter. Nous, il y a qu'est-ce qu'on dire, qu'est-ce qu'on a fait. Nous, il y a qu'est-ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait pour une lutte autour du monde, au sommet des États, dans l'affaire PMS, dans, au niveau prison, au niveau Prime Minister's Office, où vous trouvez à porte ou à moitié pénalisé. Mais au niveau Kanakia, il y a une quantité de questions pour poser. Je vous besoin d'une réponse. Donc, tout ça, ben, qu'est-ce que ça, si il y a l'enquête, si il y a la volonté, et nous, nous avons la volonté pour à plus montrer une partie de ce que nous connaissons pour partage avec, c'est-à-dire la cour, partage avec le système, mais aussi partage avec les peuples, parce que moi, personnellement, et je me dis au niveau, encore une fois, l'autre préfère. Personnellement, moi, je fais la confiance aux personnes, moi. Moi, pas pour venir dire, et comment certains disent ça quoi, nous faire confiance judiciaire. Moi, je vous dis que qui n'est arrivé, je pas trouvé. Tant que je pas trouvé la vérité, je faire confiance et ben certains individus, je pas faire confiance partout. Moi, je n'ai plus fait confiance partout. L'argent trop fort, trop fort. Bon, pas pour faire hypocrisie. Donc, là, si vous ben, pensez, comme vous dites ça, vous faire un crime de lèse-majesté. Non. Vous laissez la justice, le signe to be done. Qui faire? Vous avez besoin de trouver qui peut faire. Moi, en tant qu'avocat spécialisé dans même l'affaire criminelle et qui me la guerre beaucoup, vous allez me trouver et pour convaincre moi. Aujourd'hui, mon fils qui Thomas, besoin convaincre moi aujourd'hui. Ouais. Mais l'affaire Constituency Clock, pour me revenir là, ça, madame, là, peut dire ça, mais il n'y a aucun paiement avec tel ministre. Et que moi, tu fais cause avec madame Kisnen, c'était vendredi, et que Lydia, ou réalise ça, madame, là, l'épouse d'un d'un agent du MSM qui finit perdu sur la vie peu après les élections. Vendredi, Lydia peut mettre la quai côté un ATM. Pour aller sur pension Rama Valaiden et l'y trouver pension pan poco versé. Donc, pour vous dire, la vie du jour au lendemain, qui calte rapidement, l'y licencié. Mais rien que l'eau, ça affaire Constituency Clock là. Au moins, tu sais qu'on a la vérité, non? Si ce nom là-bas, l'y supposément recevoir sa 15 000 roupies là, pourtant, quand c'était les temps. Mais à un certain moment, bizarre établir, c'est qui bizarre établir, non? Définitivement. Voilà la raison qui fait mauvais dire. Moi, basculé, moi, pour une très bonne phrase, moi, laisse ça à la justice, moi, il y a confiance à la justice, moi, il y a tout. Je redis, moi-même, comme avocat, là, moi, qui était dans les affaires, moi, je peux dérouler, comment dire, nous gagnons les affaires, est-ce que ce système-là est bloqué? Est-ce que ce système-là, je redis, comment dire, nous tape nous la tête en miraille? Est-ce que quand on fait la guerre pour connaître la vérité, ou tape d'abord les rois de l'enquête, deuxième, ou tape avec la police, troisième, ou tape avec manière faire l'enquête, quatrième, ou passe ou gagne tracas avec même qui peut s'aimer l'argent, cinquième, ou gagne problème avec accès à la justice, sixième, ou rentre dans même procédure qui n'a pas fini, malgré qu'il est prédicant, il dit arrête bloqué en procédure. Partout, nous trouvons, comment dire, et faire ben procédure, soit bureaucratique, soit ben barrière financière. Il y a toutes sortes qui ont été barrières pour empêcher nous à trouver la vérité ou soit pour que tout le monde ait un sentiment de justice. Donc, c'est la première fois qu'il y a un sentiment pareil et il me trouve dans beaucoup de cas. Là, on connaît le premier cas de brutalité policière, il y a eu trois immoraux dans les derniers 10 jours, 12 jours qui ont été immédiatement. Trois. Il y en a trois dossiers là, PPP. Nous trouvons un cas que, par exemple, une famille peut dire que c'est le deuxième du monde dans une famille qui meurt alors que la personne était en détention policière. Oui, ça mène du monde. Mais ça mène, tout ça mène du monde que vous pouvez dire là, et n'a même contact qui finit avec l'équipe d'Avengers. Mais malheureusement, c'est un indice 12 jours, 13 jours qui m'en répond. Oui, et bien, tu dis trois là, à l'air que nous faisons moi, et on a trois dossiers avec nous.
aujourd'hui même un autre avocat qui m'a contacté moi pour un autre case que la famille d'un qui m'a contacté moi, moi final rendre visite. Mais tout ça là, Marvin, tout ça case qui ce soit case mon yarak, mon répétition parce que pour God, ça un case là aussi vivant, mon case permet mon répétition case canac. Pour God, tout ça là vivant continuer causer ben du monde. Il n'est pas évident parce que moi, mon cause avec la police, avec un CID, avec un membre dans n'importe quelle société, soit douanier, soit l'ident au niveau qui veut faire une FFSL, ça ben du monde tout de suite et n'a pression de la part NSS, ça ben du monde mise à côté ou change de gain menace. Incroyable manière de dérouler dans Maurice et ça fait moi bien, bien en colère et quand, quand question venue dans le Parlement, c'est ben question non travaillée. Non recherché, posé pour la forme et fini la même. Il n'est pas possible qu'il continue à faire avec la vie du monde. Et pour y encore l'appareil là. Et voilà, c'est un petit fait colère, c'est un petit mot dit là. Et n'a pas pour faire conférence de presse, faire par faire, qu'un lot d'action. Et enfin, et moi avec Sandy, je me fais causer mon pensée. Sandy, il me dit où il a private prosecution. Nous pouvons persister. Peut-être nous pouvons réperdre dans sa voie là. Mais nous bisons faire des choses, si ben Mauricien, à la fin, par le diman, il bisons, et n'a qu'il était bien loin, rendre ben action, et quand, comme ça, capable, challenge le pouvoir. Qui nous dit, le bureau des PP, laisse-moi redire. Nous dit, bureau des PP, vous dire, avouez ça, la police, mais la police, on vous fait non. La police, ou dépend le faille que la police donne. Private prosecution, donc, ils ont fait obédier là? Private profession, nous, ça le ministre de Jagatpal. On se paye rentaine private prosecution. Oui, ça nous vaut rentaine private profession de Jagatpal. Nous, on a des trois affaires pour checker après nous vaut en rock. Ok. Oui. Mais on retourne le secteur de Jagatpal très très vite pour retourner le secteur de demande de PP. Oui. Nous, le demande de PP, donne-nous dossier sécurité. Vous connaissez l'article de l'enquête judiciaire. Quand, dans même l'enquête, quand on gagne un case criminel, on gagne ou apply un file, besoin de la police contre X, nous écrire DPP, DPP abrite nous file complet. Aujourd'hui, on gagne un file complet. Contrairement à 20 ans, 25 ans de cela, aujourd'hui, nous gagne un statement accusé, nous gagne un témoin, nous gagne OBNTRI, c'est-à-dire Occurrence Book Entry, Dari Book Entry, et qu'il y a les autres affaires qui appellent un news material. Et un news material define qui est un document qui might help the defense in one way or another pour capable d'amener une bonne défense. Donc, dans tout cas, quand vous suivez maintenant, c'est le droit à l'accusé, mais le droit est important, le droit à une victime. Dans ce cas-là, quand le pouvoir pas appelé pour faire l'enquête, la police pas pour faire l'enquête, nous peut dire DPP, avouez-nous de chez là. C'est la question qui me tient à le poser parce que dans la conférence de presse, on aussi dit qu'on dit DPP de nous tout ban document, le dossier qui se n'en en entier et qui Avengers lit, li pour mène une enquête en parallèle. Mais qui calte l'enquête, tu peux dire, nous la Ramaval Aiden et à quoi ça va aboutir? L'enquête, c'est qu'il nous reprend tout à zéro. Premièrement, avec une équipe de policiers, ben anciens policiers qui volontaires pour mener l'enquête. Et ben policier qui me fait autre nom, ben policier qui me fait des études de droit, qui m'a une sens travail avec autres et qui est là-dedans, moi, il m'a fait le master. Deuxièmement, avec nous, l'équipe, nous vous retournons vers DPP avec nous, ben l'équipe de forensique à l'étranger. Et d'ailleurs, nous des agents coup de mes ben camarades en Angleterre, en France, et moi, qui dis, le premier ministre, mais si mon peuple a fait, laisse-nous rentrer dans ce qu'il nous appelle. CCTV, State City, pardon, State City, sur serveur, et nous amène un expert pour guetter si pas qu'à rentrer. Si nous, je peux bluffer, si moi, Rochi, toute l'équipe, Sandy, Ruben, toute l'équipe, je peux bluffer. Tous nos camarades, là, je peux bluffer. C'est là, facile, donne-nous l'occasion et nous pas quand même une personne. Si ou par quoi, qui vient permettre nous, laisse-nous rentrer là-bas. Montrez-nous un seul affaire, faire l'appel, comme on nous dit à vous, à FBI, et qui FBI PFRI ça, PFRI régulièrement ça. Il vous donne un aide Maurice, et là, il donne un aide Maurice, vous connaissez qui est un petit pénal. Mais si vous n'avez pas envie de faire,
si vous continuez à déclarer que vous avez un sommeil, ou continuez à déclarer sourd, comme vous avez une jagnat de PPA. Non, il n'y a pas pour gagner. Et qu'il y a l'équipe qui peut dormir, et l'équipe qui l'est, qui m'a dit, nous-mêmes faire l'enquête, qui est Avengers, il fait tout. Tout. Ça veut dire nous disons faire Anouman. Mais nous, pas Anouman, malheureusement. Mais ça, l'enquête là, mettons ou faire l'enquête ou trouver qui n'arrivait tout. Mais me paierait toujours la question à quoi ça va aboutir, maître Valaïden. Est-ce qu'il y a des cas comme ça qui finissent faire avant que la police, la justice finissent agir pour la suite? Quand nous gagnons, nous faisons une enquête claire, nous amène l'ABCD. 4 mm-hmm. ou 5 jours, nous amène. Nous parlons directement à la Cour suprême avec un case mandamus pour arrêter. Et ensuite poursuivre. Là, pour une différente ballgame, pour une innovation, mais pour une différente ballgame, différent complètement net. Vous connaissez qui m'a encore aux jeunes du monde, ça c'est maintenant. Parce que la police, elle a des NSS ou en bas, le bureau côté moi, c'est-à-dire. Il y a une protection rapprochée par NSS. Je connais qui du monde monte, qui du monde pas monté. Donc, je connais qui m'a jeunes du monde encore dans un test en mauvais continu. Après, dans les autres cas, contre moi, cause que continue à l'enquête. D'un point de vue plus global, général, Rama Valaïden, est-ce que vous pensez cette réticence à vouloir découvrir la vérité de l'affaire Kisnen, il y a cause du fait qu'ici, fin fond, la vérité de cette affaire, il est capable de redéfinir beaucoup d'affaires qui, sur le plan politique également, à Maurice? 100%. Parce que moi, m'aurait dit, le Premier ministre tente, il n'a pas à faire véritablement l'enquête, ni aussi cela, mais dans l'affaire. Donc voilà, ça énorme ben, l'enquête qui est en cours, donc nous tant qu'il est capable de nous faire confiance. Et l'enquête qui est en cours, M. Mervyn, toute l'intelligence qui Mervyn Bitten et n'a, Mervyn Bitten pas gagné le droit de dire qu'il y a l'enquête en cours, parce qu'il m'aurait dit à l'esclave pour le commissaire de police de mettre un communiqué, si tu écoutes moi, ou soit attaché de presse. Pena, aucune l'enquête qui est en cours. Si il y a une enquête en cours, dis-moi qui date, qui s'appelle Jimouna dans MCIT et qu'il est il prend l'enquête. Non, mais pour qu'il. Au moins, le dossier bizarre que le DPP avant qu'il enquête fermé, Nora Mavraiden. Mais pas pour une année qui brise pending, pour moi, plaisir l'enquête, l'affaire d'entier où une pensée est finie, l'enquête est réouverte, nous dormons complètement. Mais ici, nous avons un autre, une dimension politique qui peut couvrir politiquement avec la haute finance qui ben, dit qu'il a tout l'intérêt. Et ça, ben, dit que demain, là, commence bien la monnaie des pénalisations. Donc voilà, me remercie vous pour intervention chez TPFM. Je remercie vous, sorry, mon PMP paraît très agacé en colère, non, pas vis-à-vis, c'est en colère parce qu'il y a un sens d'injustice qui peut continuer de dérouler partout qui fait moi très en colère, très très en colère. Voilà, okay. Merci beaucoup Rama Valaïden et nous redire au bon rétablissement, nous connaissons pas si trop bien ces derniers temps, merci. Donc voilà Rama Valaïden qui veut dire tel ou tel dimoun est l'armée capable de tremper dans cette affaire, mais ça, c'est ben l'enquête qui est capable définir l'île. Nous ne pouvons pas connaître, à vrai dire, là, avec certitude, qui s'en a ou pas sur l'armée capable de tremper dans cette affaire, mais ça, c'est bizarre, une institution comme la police, c'est bizarre capable de faire ce travail en toute indépendance et de démontrer qui s'en a, les tremper là-dedans, les commanditaires ou quoi que ce soit dans toute l'affaire Kisnen. Nous manquons un coup de pause et nous retrouvons nos invités Nilkan Delou et Randy Djoku juste après ceci. La roue a tourné, même bâton dans la roue. Ou avec nous, nous avec ou nous pas pour qu'il est. La main dans la main, nous pas pour laisser liberté menacée. Sans frayer, ni faveur, nous amène pour la vérité. La roue a tourné, même bâton dans la roue. Ou avec nous, nous avec ou nous pas pour qu'il est. La main dans la main, nous pas pour laisser liberté menacée. Sans frayer, ni faveur, nous amène pour la vérité. FM, top, top, top.
thème pour la sœur. Ou la voix, ou si Mélanie. Nous sommes de retour pour la dernière partie de l'émission Tempulation. Nous finissons pendant une bonne demi-heure. Amava Laiden au téléphone avec nous. Donc, Randy Djoku, nous connaît qui, techniquement, comment l'y déroulé, point d'enquête fermé. Faut d'équipe dossier à la côte DPP avant et qu'il y satisfait avec l'enquête de la police pour qu'il. L'enquête là, comme telle qui Rama Laiden capable de dire Lili, les fermer. Mais nous comprenons un petit peu l'assitude de Maître Laiden qui porte parole de Ban Avengers, quand il peut dire qui l'enquête pas peut faire et puis n'a aucune enquête peut faire. Donc, ou en tant qu'un ancien inspecteur qui peut faire, ça m'en type l'enquête là qui est dans MCIT, qui est capable de dire nous sa point de vue là. Moi, tout à fait d'accord qu'il y a une appréhension de M. Valaiden qui est bien engagé dans l'enquête de Kisnen. Mais comme on dit au début de sa émission-là, c'est que ça l'enquête-là, puisqu'il finit faire, et le magistrat finit envoyer le dossier au bureau du DPP, je peux prendre le temps pour parce qu'il ne pas oublier qu'il n'est pas seulement le meurtre de Kisnen qui ne sortit dans l'enquête préliminaire. Finalement encore, ben, les autres à côté, vous pensez qu'il faut prendre le temps qu'il dit bien prendre et qu'il la police pour bien enquêter en fin de compte parce qu'il depuis pipi, il pas pour prendre le dossier là, il faut garder un tiroir. Et il faut bien donner une directive. Et on va te connaître pas l'enquête là, comment se faire dans ben, les autres secteurs que tu as besoin faire. Par exemple. Mais c'est moi, ancien inspecteur Andy Djoku, le problème, c'est qu'il quand on trouve dans certaines enquêtes qu'il y a une vitesse quand même. Extrêmement vite quand il concerne surtout ban opposant et que Mbappé Kosis ban opposant politique là, même les ban internautes qui très critiquent le régime actuel, quand il concerne ban journalistes qui permettent de trouver la vérité de certaines affaires avec ban l'enquête et tout, là l'enquête nous gagne l'impression il y a le vide dans sa ban cas côté quand même concerne ban dimoun qui proche du régime actuel nous dit allez vous prendre les temps qu'il est bizarre prend mais il quand même une fille elle a même dimoun dia politique des poids des mesures non autour ça normal ou qui ban opposant et que moi pas parce que j'suis opposant politique là ban opposant lui même capable pas opposant mais zis ban dimoun qui fait ban travail dans l'intérêt public mais je ban case qui a tellement vite ban enquête là a tellement vite mais de sauce provisoire, mais tout cas des affaires, elle a libéré l'enquête comment continue dérouler. Mais dans le cas, quand il concerne ben, le projet du pouvoir, nous dit à vous prendre les temps que les bizarres prennent. Je vous explique moi-même. Je ne parlais pas de l'impression qu'il me peut justifier le retard ou bien le temps que les bibliques prennent pour. Vous pouvez dire en temps normal comment ça passe. En temps normal comment ça passe. Parce qu'il nous connaît qui. Dans le cas de Kisnen, aussitôt que la presse commence à soulever la question de meurtre qui est un assassinat politique, le DPP pas n'attendre l'enquête de la police pour lui instituer sa enquête judiciaire. Là. Ouais. Et je pense qu'à ce stade-là, le DPP, après l'enquête, qui dit en présence ben, une conclusion de l'enquête judiciaire qu'il fait à la cour de Moka, je ne pense pas que le DPP li pou tordé encore pour li étudier l'enquête sa dossier là et pour lui donner une directive donner un conseil qui meilleur qui ban enquête qui pour bien faire moi penser qui bon dire ça il y a un dossier volumineux et qui quand li bibi pour bien tout tard pas pour prendre le temps li conscient moi penser le bureau du DPP li bien conscient qui c'est une affaire qui touche l'intérêt public tout le monde peut intéresser avec ça qu'il la presse écrite parler ou bien le public en général moi penser qu'il est conscient de ça et je peux bien prendre mon action vite et la police pour bien commencer à agir vite lui aussi par exemple pour vous rappel donc un ancien commissaire de la police Nicolas Delou un volé Alexis Alcoca, Alexis Cotli, Gaël Bougla, même jour, dit condamné, même jour. Peut-être expliquez-nous. Moi, je suis clair, après vous confirmer, c'est que vous avez vous prenez parfois, la police agit vite, il arrête un du monde dans une station, il reçoit une seule enquête, il n'a pas besoin d'un avocat, il n'a pas besoin d'un ordinateur. Il confesse. Il finit, confesse ce qu'il finit faire.
le temps la cour, le temps pial la cour même, au lieu de l'ose provisoire, l'ose main case. Vite, 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 vite. Mais magistrat qui passe ici, là, li. Peu importe qui li Pravin Zagnat, li commissaire de police, ou bien li M. Yogida, qui finit faire complainte. Si il trouve qu'il y a une main case, il vient de dire, li main case, ça, il shape, il finit de décider de main case, là. Li sont en ce bout là tout de suite. Il dit qu'il n'y a pas donné de prison, il dit qu'il a donné travail communautaire. Si sa si magistrat a donné travail communautaire, parce qu'il n'y a aucun tam-tam. Mais malheureusement, basé sur ce fichier qui est là, il est obligé de lire une sentence prison et une sentence de 6 mois contre les gars sur révolution, les gars et tout. Et nan, ça veut dire que ça, vous avez félicité ça enquêté Alexis là, parce qu'il a une fin accompli, very quick, et matin sur tout. Mais là, non, il vous dit un favoritisme. Mais ça enquêté Alexis là, vous avez mis les autres enquêtés pour autant. Vous expliquez ça d'un moi, je plaide pour l'enquête à l'exil. Vous pensez, oui. Vous connaissez de la voix. L'enquête important, plus important. Parce qu'il faut. Vous connaissez le raca, là. Pas les justifier, non, rien moi. Mais c'est moi qui peux dire, vous avez une affaire, manque d'informations aussi, qui fait que tout le monde réagit dans sa façon-là. Vous connaissez, dans ce cas-là, c'est un qui rentre contre le commissaire de police, une coquin d'ici, ce cas ici, passé. Il n'y a pas d'affaire nouveau, et il n'y a pas d'affaire exceptionnelle. Moi, je dis, dans l'île Maurice, presque tous les jours, presque tous les semaines, tous les mois, il y a un touriste qui peut aller tantôt, il y a un volé grand matin, oui. Parce que ça, c'était là, oui. Même jour, il est condamné, même jour, tout va ici dans cette affaire-là. Un commissaire de police, pas un touriste. Mais commissaire de police, pas un touriste, mais seulement une affaire, moi, je dis, comment, Neil, quand il fait qu'expliquer. Si il y a une affaire qui vient tellement claire, pas besoin de faire les autres enquêtes, pas besoin de rapport FSL, pas besoin de rien, et dit mon n'a pas moyen pour comment dire pour lui sortir le caution et tout. Ça, une affaire de simple, ça ne gagne volé, là où prend lui, ou amène lui devant la cour, comment petit moment lui, ce qui se passe, pas besoin de remander deux semaines, trois semaines, il y a remande deux semaines, trois semaines, après le magistrat donne deux semaines de prison, ou bien trois semaines de prison, même jour il sortit, il y allait. Nous trouvons dans le cas du capitaine de Wakashio, là. Nous, pendant qu'il dit dans Riemann, il est en ligne à ce sentence, parce qu'il finit par se sentence dans prison, et il dit sorti, mais il est arrivé. Hein. Les malheureux qui est commissaire de police. Voilà. Malheureux, bon, nous revenons l'affaire Kisnen, parce que nous l'émission est quand même l'affaire Kisnen. L'affaire Kisnen, maintenant, il compte de lui, il finit quand même montrer nous une réalité qui n'est pas trop envie. Trouver dans une société, c'est cette affaire qui nous appelle trafic d'influence, psychopathe, psychopine, gay contrat, tout ça là. Et fin quand même, il y a une sacrée madjakarou, comme on nous dit, pendant l'époque Covid, avec ce qu'il y a de milliards de contrats qui finissent de donner, nous ne connaissons pas exactement qui s'abonne contrat là, fin gagner, oui, mais est-ce qu'il s'abonne à faire que tu peux acheter là, fin gagner d'un port, ou bien c'était une affaire pour qui faire. Pour faire profit à ban petit copain, petit copine, comment nous trouver tout ça ban lien de proximité, de proche, d'amis, camarades primaires, c'est pas camarades collèges, et nos hôtesses de l'air, fin créer compagnie pendant un confinement, les fin gagner contrat, tout. Donc, tout ça ban affaire là, les tiennent eye-opener, les montrer qui passait. Et que les quand même, bizarre, on paie ça ce qui ça mécanisme là arrêté. Mais qui nous trouvait dernièrement, c'est toutes histoires, CPN Distributors, Molnupiravir, même qualité scandale éclaté. Donc, il y a une affaire normale. Ça, est-ce qu'ils ont fait Kisnen avec une vérité qu'il y a fait nous trouver l'autre mécanisme-là, les parties qui permettent à ce qu'ils ont fait affaires-là reproduire. C'est une autre question. Est-ce que tout ce qui finit trouver dans l'affaire Kisnen, est-ce qu'il a dans même nous trouver qui. Pour trouver la vérité, ben c'est qui coupable pour payer. Il y a des gens qui ont dormi, et des gens qui ont écrit un mail pour ce camouane, et des gens qui même India qui, en tant que ministre, ben, les Poutine et Word, pour des gens qui les connaissent, qui est-ce qu'ils nous peuvent espérer à ce qui arrive quelque chose après qu'ils finissent trouver tout ça avant d'affaire là. Mais, il y a les cas qui ont un enjeu majeur là-dedans, dans le sens qui. Vous pensez, il faisait comment on se rend dans le Conseil des ministres et dans le Parlement pour expliquer un peu un aspect de Prevention of Corruption Act, bribery, gratification. Parce qu'il y en a du monde, pas pour comprendre, pas pour comprendre, et que ce gouvernement qu'on peut trouver là, il peut continuer pareil jusqu'à prochain coup, à moins qu'on gagne l'autre dirigeant qui vient, qui décide pour payer un frein l'eau là. À plusieurs reprises, on finit de dire qu'il manière qui fait procurement, manière qui donne contrat, manière ça manne.
ban COVID cassis dans procumette là, ce pape trouver qui peut dérouler. Mais maître, une question qui me pose moi, avec ban affaires qui est tant grave qui finit arriver pendant le premier confinement et qui finit ban évidence que nous capable dire dans l'enquête judiciaire l'affaire qui s'en directeur STC a démissionné tout ça ban affaires là. Mais après qui ban affaires comme ça arrivé. Deuxième coup, sente même sentir ou raconte même des histoires, affaires molle nuit piravier. Oui, mais parce que le système n'a pas pu changer. Nous, du monde peut changer. On peut changer du monde, on peut tirer flèche d'eau, mais pour aller la porte, là, il reste pareil. Du monde là, la même. Si vous réalisez, bon, dire, on a deux du monde. Tout gouvernement qui vient, ou tous autres passés la même, de perdre base, même policier. Mais dans aucun changement policier. Ou boutou Dave Manraz pour rester la même, ou boutou Binod Bacha pour rester la même, combien gouvernement fin gagner, combien premier ministre fin gagner, mais qui s'en a qui protège les autres? Ou pe sans flèche d'eau, pas pe sans poignée la porte du tout. Zodi là, Zodi, allez Manraz, secrétaire financier, moi invite lui, vin dire la République. Est-ce qu'il y a un problème de devise dans Maurice actuellement là, oui ou non? Pas pour dire. Je vous cache, je vous colmate, colmate, colmate. Je pardonne sa ministre des Finances là parce qu'il. Ça, il est au niveau de la Banque Maurice. Oui, je pardonne sa ministre des Finances là parce qu'il livre même, je vais l'impression qu'il est un acteur Poutine et movie, directeur, producer, réalisateur. Il n'est pas plus compliqué de dérouler au niveau finance. Mais Michel Manraz, il est là depuis longtemps, lui. Combien de ministres des Finances viennent travailler? Police, il reste pareil. Dis-moi, mon ministre des Finances, moi. Pour me dire, vous venez moi, vous dites, welcome to my office, mister. Who is it? Manraz, qui nous vous faire? Allez, remène policier encore, remène d'amine encore. Mon rentre de bureau premier ministre, moi, dis-moi, vous premier ministre. 5 mots vous trouvez. Vinod Bacha, vous dites, bon, golden rule. You follow my advice. Et il a même. Pendant un film qui joue, invite Ban Mokouchan à l'guetter. Et il a un feuilleton anglais, depuis longtemps, il joue. Tout le temps, mon content qu'il ça, tous les soirs. Il appelle Yes, Prime Minister, ça. Il montre aucun premier ministre qui peut venir, il a envie de faire quelque chose, voilà, de lui, chombo. Pas comme ça, ça. Te dis, dans ce modèle-là, dans ce modèle-là, dans ce modèle-là. Et si tu n'as pas fait lui dans ce modèle-là, je ne toujours pas compter. Nous, dans la situation. Et non, quoi? C'est un problème systémique. Systémique, mais il pourrait se parer. Ou pour continuer à un problème procurement là. Et qu'est-ce qui se l'aime? Tu peux aller croyer le meurtre. Et là, trouve tout ce bande d'affaires collatérales, qui n'est pas un collatéral, qui n'est pas un issue. Collatéral qui in major issues. Il n'est pas possible ça parce que tout ça là link. Il est capable, ça même qui n'amène vers l'assassinat. Ça même qui n'amène vers l'assassinat, les temps il trouve ça. Moi, mon travail dans l'élection, mon donne co et am. L'autre là, il reste le WhatsApp li, à cause d'ici dans l'école maternelle ensemble. Tu m'amènes même du pain dans même torchon. Mais il y a un contrat, ça, pas contrat 1 million, 2 millions, 500, 600 millions, si vous voulez. Et pas de ce contrat-là, il n'y a pas de casse du tout. Oui. Moi, mon pasteur, il m'a donné casse de la vie d'Astéor, moi. Hé, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Non, bien, mon cousin, m'a bien réalisé, hein? Non, premier ministre, il a silencié l'eau-là. Il n'est pas supposé de silencier l'eau-là. Pravin Zagnat capable de silencier l'eau-là, oui. Mais premier ministre n'a pas le droit de silencier l'eau-là. Je vous comprends bien. Pas envie de dire, capable, pas envie de dire non, pas envie de trouver non, pas envie de venir ça, Lili pour dire comme ça, hein, les peuples oubliés, ah oui, merde. Mais premier ministre, bien vient de l'avant. Al calculer, c'était où on vient assumer ça, rôle-là. Rôle-là, il vient que ce soit une conséquence et responsabilité. Sinon, pas pour capable. Qui pour continuer comme ça, rôle-là, là, pour continuer ça, pour aller, là, tous les jours, vous commencez à trouver, comment dire, ou d'un torture, ou trouver un problème qui était problème devise, et un problème le taux d'inflation, et un problème le money exchange, le rate, exchange rate, qui fait bloc pension pendant une semaine. Est-ce qu'il peut faire, peut balance de l'or, peut être de l'autre côté pour balance roupie, baisse ici, après gagne de pita ici, est-ce qu'il s'ajoute là, peut dérouler? Vinez nous si peut dérouler là, aujourd'hui là. Maintenant, nous pouvons bien conclure ça, l'émission-là. Qui nous capable d'espérer dans la Vekisnen? Qui nous capable d'espérer dans la Vekisnen? Vous voyez, vu que c'est une affaire hautement politique, pour vous attendre un changement de régime pour qu'il soit capable non, de trouver la vérité sur cette affaire. Parce que vous pensez, moi, élection pour l'année 2025, non pas 2024. Moi, l'impression, comment c'est... Ça, 2024? Mais il peut extendre sur 6 mois encore, parce qu'il est visé by time. Naturellement, il peut faire tôt, ça. Plus tôt, il les gens de fin 2024, non? Oui, après, les bourrés sont 6 mois encore. Vous pouvez ça, les bouffées, les sangs, voilà. Moi, pensez, moi, ce qui m'attend dans le rapport qui se ce qui m'attend dans le développement qui se et je connais que DPP, il peut assumer ses responsabilités. Mais ce qui m'a fait la prière, qu'il y ait un premier ministre qui est plus responsable,
un premier ministre qui plie communiquer les affaires de Law and Order, un premier ministre qui plie communiquer les affaires de l'État, surtout au niveau finance, et me prier. Il n'y a pas de paix, non, dit le premier ministre. Il n'y a pas de paix, personne. Il n'y a pas de l'avant, et n'a courage, comme Churchill, have the balls. Qui est-ce que vous pour mettre fin à cette émission? Qu'est-ce ça? Monsieur Djoku. Monsieur Kisnen, une victime d'un cas d'assassinat. Il y a une père de famille, il y a un mari, il y a un frère, il y a un beau-frère pour un djimoun. Déjà à ce niveau-là, sa famille-là mérite justice. Pas seulement sa famille-là, tout bande proche, et lui-même mérite justice parce qu'il n'est pas un mot naturel, mm-hmm. Un mot dans une condition atroce. Ouais. Ce que nous avons souhaité, ce que moi avons souhaité, c'est que l'enquête et le finding, ce que du Pipine gagné, qui oriente, comment pour réorienter l'enquête, et que ça l'enquête-là aboutit et nous trouve la vérité. Le tout ban ce qui, ban l'homme qui peut entourer ces affaires qui sont là, et qui le peuple de l'île Maurice, capable de respirer, comprend qu'il justice une faire quelque part à M. Kisnen et à tout Mauricien en général. Donc voilà, merci Monsieur Djoku, merci Maître Delou, merci également à Maître Mava Leiden qui finit d'intervenir dans cette émission. Nous toujours un Asie dans l'intérêt public et qui connaît la vérité d'un tel affaire, dit quand même d'intérêt public. Ou vous rappelle, comme on finit mentionné un petit peu plus tôt dans sa émission, la Maître Delou, un moment que presque partout, tu peux rôde faire par sa case là pour une affaire suicide, même dans la presse, certains, tu peux véhicule sa thèse qui c'est un suicide. Nous ici, et également, nous avons dit à nos camarades, confrères à l'Express, je finis quand même à la recherche de la vérité, comme nous, puiser pour scanner, que quand même, nous finissons trouver qu'il y a un foul play qui, DPP, l'air là, finit mettre l'enquête judiciaire, nous, ça fait là. Mais nous espérons que quand même, tout ce bon travail qui finit dans l'enquête judiciaire, toute bonne vérité qui finit sortie dans bon mail, dans bon document, qui se n'est papers, tout ça là, qui aille au bout de sa bonne affaire là, et que la vérité y éclate dans l'intérêt public, qui madame oui. Kisnen gagne la justice, qui se famille gagne la justice, et qui plus amène nous. Trouve-nous face à une affaire d'une telle ampleur côté un assassinat. Nous voyons ici un assassinat politique, mais dans le Bouddha Djali, c'est un assassinat politique. 18h55, l'Autop FM, merci pour l'attention. Vous êtes à l'écoute de l'émission Tempo Lasso. Nous souhaitons une très bonne soirée. Dans quelques minutes à venir, le point info de la soirée dans le Mauritius Infocus. Merci à tous. Nous retrouvons demain pour une autre émission à partir de 17h30.